Crooked Joe and his handlers are insisting he's sharper than ever. First, he wandered off the G7 in Europe, the stage. He looked like he didn't know where the hell he was, but he didn't know where he was. He's blaming it now on AI. He said the media is manipulating the pictures of him constantly, not knowing where the hell he is. He can't go anywhere without a mistake. Ce discours, c'était cet après-midi. Donald Trump ne lâche pas le morceau. Il accuse Joe Biden de ne pas savoir où il est. En fait, il voudrait même qu'il passe des tests cognitifs. En fait, l'âge est au cœur de son discours pour s'opposer à Joe Biden. Puis les images dont il parle dans cette allocution cet après-midi, comme celle-ci au G7, bien, il laisse entendre que Joe Biden se perd, là. Mais on se rend compte que si on voit l'extrait au complet, il se dirigeait vers quelqu'un, un parachutiste, et donc s'informait. Donc, c'est sûr que là, Mme Mélanie le ramène, ça donne l'impression qu'il est perdu, mais c'était pas nécessairement le cas. Alors, ça, c'était au G7. Mais ce que ces images, donc, de la plupart, montrent, au fond, c'est que si on monte hors contexte, ça devient extrêmement dangereux. Puis aujourd'hui, M. Biden est obligé de se défendre de ça. En fait, M. Trump dit qu'il est trop vieux, mais ils ont juste à peine 3 ans et demi de différence. M. Biden, c'était sa fête cette semaine. Alors, la manipulation d'images à des fins partisanes risque de s'accentuer à l'approche du 5 novembre et alimenter les discours de Donald Trump. Mon invité, Louis Aucoin, président stratège principal chez AUCOIN Stratégie & Communication. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Alors, évidemment, c'est un enjeu extrêmement important. Oui. À quoi assistons-nous ici? À de la désinformation? Même Trump accuse l'intelligence artificielle, mais commençons par la désinformation. Oui, bien, Trump dit que Biden accuse l'intelligence artificielle. Le camp Biden ne dit pas ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites et redites là-dedans, pas toujours vraies. Puis ça fait partie de la publicité négative. La publicité négative, là, en campagne électorale, c'est une manière de faire bouger l'aiguille quand on sent que ça bouge pas suffisamment. Et là, ils sont nez à nez, nos adversaires. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que chez les Républicains, on a peut-être l'impression d'avoir fait le plein d'électeurs et on a besoin d'aller gruger chez les électeurs démocrates pour les découragés de voter pour Biden. Donc, on est dans une autre dynamique. Puis évidemment, dans le moment où on s'en va vers le débat, mais c'est ça. Et les deux partis ont une stratégie qui consiste à convaincre l'électorat que leur adversaire n'est pas apte à gouverner. Donc, c'est intéressant à voir. Des raisons différentes. Bien, pour des raisons différentes, puis je dirais que c'est des stratégies similaires, mais des tactiques différentes. Donc, les démocrates, par exemple, ils vont dire, bon, bien, M. Trump se contredit. M. Trump a oublié un mot, c'est vrai. On va souligner ses politiques, ses incohérences, etc. Mais quand on regarde les républicains, eux, ils ont une cible, c'est l'âge. Oui. La question de l'âge. Oui. Puis... plus vieux, difficile, confus. Ouais. Donc, puis c'est une cible très claire, ce qui fait qu'à un moment donné, en quelques secondes, on a l'impression d'avoir saisi le fait que M. Biden est trop vieux. Certains électeurs sont convaincus par ça. Puis souvent, quand on le voit, ce sont des phénomènes qu'on a déjà vus, des personnes qui marchent de cette façon-là, etc. Et on l'associe à de la confusion. Bien, puis, quand on l'a vu avec M. Obama en fin de semaine, au fond, l'image que les médias de droite ont utilisée, c'est un président debout devant l'auditoire. Puis le fait... Bien là, on le voit qui lance la main. Mais dans les médias de droite, on montrait seulement Biden debout, seul, qui regardait l'assistance comme s'il était vraiment... Les médias parlaient Frozen Biden. Alors, et là, M. Obama le prend par le dos, donc c'est la preuve qu'il a besoin, qu'il n'a pas d'autonomie, au fond. Bien, oui, qu'il manque d'autonomie. Puis le problème de ces vidéos-là, c'est qu'on a quelques secondes, on n'a pas toujours tout le contexte, on a l'impression d'avoir eu le contexte. À force de les voir, on a l'impression que ça finit par être la vérité, hein, à force d'être répété. Puis l'autre chose, c'est que ces vidéos-là, ils font en sorte que, même si on s'en méfie, et peut-être encore pire si on s'en méfie, parce qu'on en vient à être incapable de discerner exactement le vrai du faux. Ce qui était vraiment confus sur la scène, plusieurs qui étaient là disent que non. Évidemment, sur les réseaux sociaux, on affirme que oui. Puis, le public est obligé de se faire une opinion par lui-même. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est pas tout le monde qui était dans la salle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'en remet à des heuristiques, hein? On fait des raccourcis mentaux, on s'en remet à nos émotions. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on a déjà vu dans le passé qui ressemble à ça? Et puis, on s'en remet à notre identité, on s'en remet à nos... On s'en remet pas aux faits. Donc, mais cette manipulation-là, de la part des médias, ça sert Trump. Ça a un effet. Oui, bien, de la part des partis politiques est repris par certains médias, effectivement, comme le New York Post. Puis oui, ça a un effet. Là, quel est l'effet exactement? On se pose encore la question. Parce que moi, je souligne, et c'est important de le dire, la désinformation, ça a toujours existé. Ça a toujours été là. Donc, il y a eu des fausses bibles qui ont circulé, il y a eu des groupes anti-masques durant la guerre espagnole. On se souvient comment l'URSS était fasciné par la manipulation des photos. Donc, ça a toujours été cette désinformation-là. Quel effet ça a concrètement sur l'électorat? Encore difficile à dire, mais c'est clair qu'on parle à un public convaincu, puis c'est ce public convaincu-là qui partage ces informations-là. Donc, est-ce qu'on est dans une chambre d'écho? Peut-être ça a moins d'effet qu'on pense. Et vous dites tout à l'heure, c'est des deux côtés, au fond, qu'on emploie ces stratégies de publicité négative. On va voir un très court extrait d'une publicité des démocrates. Je pense qu'ils ont décidé d'attaquer Trump de manière négative. On va écouter ces quelques secondes. This election is between a convicted criminal who's only out for himself and a president who's fighting for your family. In the courtroom, we see Donald... Alors, on joue la carte du criminel. Oui. On est sur l'aptitude à gouverner des deux côtés, mais les démocrates n'ont pas réussi à cibler une chose. Peut-être qu'ils vont décider d'aller sur la question du fait que M. Trump a été reconnu coupable d'un premier procès. Donc, mais il faudra voir si on va être capable d'évoluer, parce qu'il y a des enjeux dans cette campagne-là. On n'en parle pas beaucoup. Puis on n'en parle pas beaucoup. Puis les gens, je pense, le public va commencer... On s'étrive un peu, mais à un moment donné, on va s'attendre à ce qu'on arrive aux enjeux. Alors, les enjeux, ça devrait d'abord être au débat. La semaine prochaine, vous avez déjà participé à la préparation des débats. Oui. Les CNN a publié, parce que c'est Jake Tapper puis Dana Bash qui vont animer. Bon, on a presque peur pour eux, là, la façon dont ça va se passer. Parlez-nous de ces règles et de la capacité de les faire respecter. Dans les règles, je veux souligner, dans les débats, il va se passer à peu près la même chose. Les deux adversaires vont vouloir souligner les faiblesses de leur adversaire. Et puis, on a vu dans les règles, donc, on est dans une salle où il n'y aura pas de public. Comme le premier débat avec M. Nixon, M. Kennedy. Donc, il n'y a pas de public. Ça, c'est du côté démocrate qu'on voulait ça. Du côté républicain, on voulait clairement un public. Il va y avoir aussi une technologie qui fait que le micro se ferme au moment où le temps écoulé, le temps imparti à chaque candidat est écoulé. Puis, bon, un certain nombre de... Pas de chevauchement, j'imagine. Pas de chevauchement, pas le droit de papier, pas le droit de notes. Bien, vous avez droit à un papier, un crayon, vous n'avez pas le droit d'amener vos papiers. Un verre d'eau. Un verre d'eau, ne l'oublions pas. Donc, et c'est comme ça que ça va se passer, très dénudé, je dirais, comme ambiance, et probablement seulement entre deux candidats à la présidence. Il y en a d'autres, mais il faut se qualifier. Donc, c'est pas arrivé. Et là-dessus, sur le débat, ce qui est intéressant, celui du 27 juin, c'est la date du débat. Parce qu'on se demande tout le temps, est-ce que le débat a un effet sur l'électorat? Mais les débats aux États-Unis, comme d'ailleurs au Canada, on les tient toujours très près de l'élection. Puis est-ce que ça a un effet? Bonne question. Au Canada, en 2015, on a eu le débat, le Monk Debate, le 6 août, très loin de l'élection. Puis... à ce débat-là, M. Trudeau avait très bien performé en 2015. Il est parti du troisième parti, a fini majoritaire. Est-ce que le débat a eu un effet? Moi, je pose la question. Est-ce que ça a eu le temps de percoler? Donc, est-ce que là, le 27 juin, c'est un débat qui va pouvoir changer des choses, alors que si c'était tenu le 16 septembre, comme c'était prévu par la Commission des débats présidentiels, peut-être on n'aurait pas eu le temps de changer des choses. Donc, il va y avoir une différence de ton, c'est certain. Ah oui, parce qu'on voit M. Biden, quand il parle, il n'a pas encore parlé aujourd'hui, quand il a fait l'annonce de donner aux conjoints, ça peut être des hommes, aux conjoints non documentés, comme ils disent, donc des immigrants, de donner maintenant une sorte d'amnistie, de reconnaître leur statut, c'est ça. Donc, il est très, 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 très vif là, quand il fait ça. Oui. Mais là, sans télésouffleur, sans texte, ça peut être difficile pour les deux. Ça peut être difficile pour les deux, oui. Puis les sondages nous disent clairement l'économie, le coût de la vie, C'est ça la priorité des Américains, de très loin. Et c'est pas la guerre en Israël, c'est pas... Donc, et c'est pas nécessairement la préservation, la sauvegarde de la démocratie, c'est pas nécessairement même la question de l'avortement qui arrive plus bas, quand même une priorité, mais plus bas. Donc, lequel va se démarquer comme étant la meilleure personne pour mener puis répondre aux aspirations des Américains? Ça, c'est ça le débat. Puis moi, mon conseil au parti, c'est... arrêtez de vous étriver un petit peu, puis essayez de faire une démonstration. Les Américains attendent ça. Mais il faudrait que Donald Trump arrête de parler de 2020. Et que... Merci beaucoup, Louis Aucoin. À la prochaine. À la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.